Bonjour chers abonnés, bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube Les démarches administratives en France. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous expliquer comment obtenir une carte de résidence de 10 ans en France ou bien un titre de séjour de 10 ans. Je vous parle de mon cas en tant qu'Algérienne. Pour cela, il faut vraiment que votre entreprise soit active au minimum 3 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir 3 avis d'imposition et avoir eu en moins le SMIC par mois chaque année, à peu près dans les 1300 euros. Je vous parle un peu de mon cas. Moi, je suis arrivée en France en 2017. J'étais étudiante. La première année, j'étais étudiante. J'ai eu mon titre de séjour en tant qu'étudiante. Et après la deuxième année, j'ai créé mon auto-entreprise. Et quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'ai travaillé avec. Et la première année, j'ai déclaré aux impôts. J'ai eu mon premier avis d'imposition qui dépasse un peu le SMIC par mois. La deuxième année, j'ai déposé pour avoir mon titre de séjour en tant qu'auto-entrepreneur professeur libéral. Ça, c'est ma première carte d'auto-entrepreneur. Après ma troisième année, j'ai continué toujours avec mon entreprise. Ça veut dire 2 ans d'activité où j'étais toujours auto-entrepreneur et j'ai fait aussi plus du SMIC par mois. Puis, j'ai déposé encore et j'ai eu toujours un titre de séjour d'une année. Et après, à la troisième année d'activité, ça veut dire 4 ans après 4 ans après être installée en France, ça veut dire j'avais fait une année étudiante et 3 ans en indépendante. Là, j'ai pu déposer ma demande de titre de séjour de 10 ans. Ça veut dire une carte de résidence de 10 ans pour Algérien. Pour cela, j'ai donné, qu'est-ce qu'il faut donner comme dossier? J'ai donné mes déclarations URSSAF de l'année en cours, de la dernière année. J'ai donné mes derniers avis d'imposition, mes derniers 3 avis d'imposition. Bien sûr, votre hébergement. L'hébergement, j'ai donné mon hébergement, ça veut dire là où j'habite. J'ai donné aussi le dernier titre de séjour. Donc, en tout, j'ai déposé mon dossier. Et là, j'ai droit à la carte de 10 ans, sans oublier une lettre de motivation. Pourquoi je veux avoir un titre de 10 ans en France? C'est quoi mes motivations? Par exemple, vous pouvez dire que vous voulez développer votre entreprise. Vous ne voulez plus rester un auto-entrepreneur, mais vous voulez vous la développer, avoir plus d'activités et être motivé pour toucher plus, pour vraiment créer du commerce, créer de l'activité en France. Et ça, c'est vraiment, ça encourage l'État et ça va vous aider facilement à avoir votre titre de 10 jours. Ça veut dire une carte de résidence de 10 jours. Et ça, cette carte-là, elle va vous permettre soit de rester en indépendant, soit de passer en salarié. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre domaine d'activité. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de poser vos questions et je tâcherai à vous mettre plus de vidéos, plus d'explications et vous parler de pas mal de tâches administratives ici en France, comment vous allez faire vos démarches. À très bientôt. N'hésitez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne Les démarches administratives en France. Merci.